اوكي الدراري نهار الله يخدم مزيان. البارح كان عندنا مشكل ديال الانك اوت، ما بغاتش يتطلق، البي سي سخن، الكونيكسيون شويه كانت ثقيله، دونك ما بغاش يطلق كلشي لايف. دونك نبدا على بركه الله. اللي عندي شي سؤال يخليه في كومونتير، ومن الاسئله غادي نجمعهم في التالي وندير عليهم تا هما شي لايف الا كان شي اسئله هكا. اوكي دونك نبداو. Donc le sujet d'aujourd'hui, il va porter sur l'épitaxie par jet moléculaire d'un métal ferromagnétique sur le substrat germanium et pour des applications en spintronique. Le plan sera présenté de la manière suivante. On va faire une petite introduction à l'électronique du spin. Ensuite, on va parler de comment on va faire la croissance par NBE de Mn5 Jo3 sur le germanium. La caractérisation sera suivie essentiellement par deux techniques, le RID et l'AFM. Quatrième point, c'est la nanofabrication des diodes pour les préparer aux mesures électriques, et on va faire les analyses des mesures électriques. Et on va terminer par une conclusion. Donc, comme on sait tous, que l'évolution vertigineuse de l'électronique vient principalement de la réduction de taille. Or, actuellement, nous atteignons leurs limites technologiques. Donc, l'électronique qui se repose sur la manipulation et le contrôle à la fois de la charge de l'électron et de son degré de liberté du spin. Oh, excuse. Et de son degré de liberté du spin se présente comme un candidat potentiel. Donc la spintronique, ou bien l'électronique du spin, c'est tout simplement l'utilisation de la charge de l'électron et de son degré de liberté du spin. Pourquoi le spin est important? Parce que tout simplement, si vous voyez dans cette deuxième figure, si on a par exemple un courant, bien un électron avec un spin up, si on a un métal ferromagnétique de magnétisation vers le bas, donc on aura une difficulté de se diffuser dans le matériau. Donc, dans cette première partie, ici, la diffusion est difficile, donc la résistance est grande. Mais dans la deuxième partie, donc ici, on a un métal non magnétique. Et dans cette dernière, donc la diffusion sera facile. Donc ici, il est caractérisé par une résistance plus faible. Ici, par une résistance plus grande. Même chose pour le spin down. Donc, cette configuration est difficile pour les deux types de spin. Mais pour cette configuration-là, on remarque que si on a par exemple un électron de spin down, donc il sera facilement diffusé dans le premier matériau et facilement diffusé dans le second métal ferromagnétique. Donc cette configuration, elle est caractérisée par une résistance plus basse pour les spin down, mais elle est plus grande pour les spin down. Donc on remarque que l'état du spin, ou bien la résistance, dépend de l'état du spin. Donc c'est ça l'objectif général de la spintronique. Cette nouvelle discipline a déjà trouvé des applications comme les disques durs, bien les têtes de lecture de disques durs magnétiques. Donc, comment fonctionne la tête de lecture des disques durs? C'est simple, c'est à base d'un effet qu'on appelle la magnétorésistance géante. Donc, on envoie un courant qui est polarisé. Ça veut dire quoi, polarisé? Ça veut dire simplement qu'on a une seule population de courant. D'électrons, soit ils sont tous vers le haut ou bien vers le bas. Donc lorsqu'on fait passer un électron ici, un courant polarisé, ici on a des domaines magnétiques, c'est dans ces domaines que l'information est stockée. Donc par exemple le jaune c'est le 0 et le rouge c'est le 1. Donc comment on va détecter si est-ce qu'on a un 0 ou bien un 1? Il suffit tout simplement de... Donc ces domaines-là. Donc on va lire l'information dans ces domaines-là à partir de la résistance face à ce courant. Comme on a dit ici dans cette figure, si on a par exemple un seul type de courant, soi-disant AP, donc ce AP, ils seront diffusés facilement par exemple de le rouge, mais difficilement dans
dans le jaune, donc ce qui va nous permettre de lire l'information, soit le 0, par exemple ici le A, grande résistance, et ici c'est le 0, et on va lire l'information qui existe dans le disque dur. Mais le but idéal et l'ultime, c'est la réalisation d'un transistor à effet de champ, ce qu'on appelle les spin FET. Donc c'est un transistor à effet de champ, mais qui dépend du spin. Spin FET, c'est quelque chose comme ça. Donc vous pouvez chercher, c'est, je pense c'est moi, c'est Das qui a donné le principe de fonctionnement de ce type de transistor. Donc, et pour cela, il faut injecter, comme je viens de dire, un courant à partir d'une source ou bien un réservoir de spin qui peut être un métal ferromagnétique ou bien un demi-métal ou bien même un DMS. On va voir c'est quoi un DMS, un diluide magnetic semiconductor. On va injecter ce courant polarisé dans un semi-conducteur. Donc, c'est ça l'idéal, c'est la réalisation de ce type de transistor. Ok, on passe à autre chose. Ah, je vais éliminer. Est-ce que. Oh, ok. Donc, pour le réservoir du spin, il y a deux approches. Oh, c'est quoi ça? Je ne sais pas comment. Pas comment faire si je fais ok maintenant c'est bien. Donc il y a deux types de réservoirs qui vont nous servir de réservoir du spin. Soit on utilise les semi-conducteurs magnétiques diluées qui sont tout simplement des semi-conducteurs auxquels on ajoute des éléments magnétiques, par exemple le manganèse qui est un élément magnétique. On va l'insérer dans la matrice d'un semi-conducteur, par exemple ici on va ajouter un manganèse, ici le semi-conducteur. Donc c'est ça le DMS. Ce type de matériau est caractérisé par une polarisation importante du courant. Donc on a un courant avec un maximum d'électrons qui ont un spin d'orientation bien défini. Et il existe une possibilité d'épitaxie ces DMS sur des semi-conducteurs. Donc c'est ça l'objectif. Donc si on veut, par exemple ici nous avons notre semi-conducteur, donc on peut croître le DMS sur le semi-conducteur sans aucun problème. La faible solubilité des éléments magnétiques de la matrice des semi-conducteurs, il va induire une température de Curie qui est assez faible. Donc c'est ça l'inconvénient. Et il existe un problème d'homogénéité car on a formation de d'autres phases à l'interface, donc ce qui vont perturber l'injection du courant. Donc c'est ça pour le premier type de réservoir. Le deuxième type de réservoir d'électrons, c'est les matériaux ferromagnétiques. Ce type de matériaux, ils sont caractérisés par une température de Curie qui est importante. On maîtrise parfaitement leur procédé de fabrication car on a travaillé beaucoup sur ce type de métaux. Difficulté. Les avantages, il en existe deux. Donc, la difficulté d'élaborer un élément ferromagnétique sur un semi-conducteur. Donc, c'est difficile de croître, de faire la croissance sur un semi-conducteur. Et la forte différence de conductivité entre un métal ferromagnétique, on sait qu'un métal, il est plus conducteur qu'un semi-conducteur. Donc, ce qui va impliquer une injection de courant, une dépolarisation du courant injecté. Donc, si on a par exemple un courant qui est polarisé vers le haut, tout le courant, donc on a ce cas de figure. Ça, c'est pour l'injection. Ici, par exemple, on a le métal. Dans cette partie, on a le métal ferromagnétique. Et ici, on a le semi-conducteur. Donc, la dépolarisation, elle diminue fortement lorsqu'on entre dans le semi-conducteur. Donc, c'est ça la polarisation, normalement. C'est la courbe de polarisation. Et parfois, on peut même perdre toute la polarisation du courant. Donc, c'est ça le deuxième inconvénient. Donc, ce qui perturbe la fabrication d'un dispositif en spintronique. Donc, je vais ensuite éclairer. Ne sais pas s'il va revenir. Ok. Pour le choix de semi-conducteur, on va travailler sur le germanium.
puisqu'il a la mobilité des porteurs de charge, elle est 4 fois plus grande que le silicium. Et on a une longueur de diffusion de spin qui est importante, une longueur de diffusion de spin. Ça veut dire tout simplement, la longueur de diffusion de spin, c'est la longueur caractéristique. Par exemple, si vous avez un spin, un électron de spin-up, donc il va parcourir une certaine distance. Ça, c'est notre distance, longueur de. Et il va se retourner. Donc, cette longueur, on l'appelle la longueur de diffusion de spin. Donc, si on a par exemple un dispositif avec une très grande longueur de diffusion, ça il sera un candidat pour la conception d'un dispositif en spintronique. Donc, c'est pour cette raison qu'on cherche des matériaux avec une longueur de diffusion de spin qui est importante pour ne pas perdre la polarisation du courant. Le réservoir de spin, on va travailler avec le Mn5Go3, qui est un métal ferromagnétique avec une température de curie élevée. Il peut arriver jusqu'à 300 K. Et il peut être augmenté en insérant le carbone. On peut atteindre jusqu'à 400 K. Parce que la température de curie est importante pour fabriquer des dispositifs qui travaillent à la température ambiante. Donc c'est ça le premier critère qu'on doit chercher. La possibilité d'épitaxie des couches minces de Mn5Go3 sur le germanium de direction 1-1. Donc, on peut déposer des atomes avec un accord d'Omaï le plus faible possible. Et la polarisation du courant, elle est de l'ordre de 50%. Donc, ce qui est bien. Je vais ensuite clairer. Ok. Clair. Donc, l'objectif de ce travail sera essentiellement comment dire, d'optimiser les paramètres qui vont jouer sur l'injection d'un courant à partir d'un métal ferromagnétique. Ici, par exemple, on a un courant polarisé. On va l'injecter dans notre semi-conducteur. Donc, le premier critère, c'est on sait que dans une interjonction entre un métal ferromagnétique et un semi-conducteur, on a ce type de structure de bande. Par exemple, ici, on a la structure de bande du métal ferromagnétique. Et ici, on a celle du semi-conducteur. On voit ici la flexion de bande, ou bien ce qu'on appelle le band bending. Le band, vous pouvez chercher ce terme, band bending. Donc, ce phénomène il se passe lorsque on fait une hétérojonction entre un métal ferromagnétique et un semi-conducteur, ou bien entre un semi-conducteur et un autre semi-conducteur. Donc on a un transfert de charge, donc pour avoir un équilibre, on a cette flexion de bande. Et on voit bien qu'on a on a la création d'une certaine barrière qu'on appelle la barrière Schottky. Donc les électrons qui vont passer du métal ferromagnétique à partir du niveau de Fermi vers le semi-conducteur, ils doivent dépasser cette barrière de Schottky. Donc notre rôle, c'est de diminuer le maximum possible la barrière de Schottky, en n'oubliant pas aussi la largeur de Schottky qui doit être diminuée. Donc c'est ça le rôle principal d'un dispositif, ou bien pour optimiser l'injection d'un courant polarisé à partir d'un métal ferromagnétique dans un semi-conducteur, il faut jouer sur les paramètres qui vont conditionner ou bien minimiser la hauteur de la barrière Schottky et sa largeur. Ok, on passe à autre chose. Clear screen. Maintenant, le bâti MBE, il est composé d'une sas d'introduction. Donc ici, on injecte notre échantillon, on introduit notre échantillon, pardon. Donc le substrat, on injecte notre substrat de germanium tout seul. Donc ensuite, on va le transporter soit vers une chambre MBE, ou bien l'épitaxie par jet moléculaire, ou bien vers un CVD ici. C'est Chemical Vapor Deposition, donc on n'a pas travaillé sur ce type de dépôt. On a travaillé essentiellement avec cette chambre MBE. Donc vous voyez ici on a la charge. Dans tous ces cas-là,
Donc on a ici la charge, par exemple on a le carbone, on a le Mn sous forme solide, donc carbone, Mn, Ge, par exemple on a le Ge ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire le substrat germanium dans la chambre et la méthode de caractérisation elle sera suivie par le rite. On va parler du rite, qu'est-ce qu'il nous donne comme information. Donc le principe est assez simple, donc on introduit ici le substrat de germanium et on va chauffer la charge, par exemple le Mn et le carbone, et le Ge, le germanium, et on va le déposer sur le substrat qu'on a fait. Donc on va voir comment on va faire le dépôt, comment on effectue le dépôt pour avoir le Mn5Ge3. Et ici on a un PC monitor qui va nous permettre de suivre le cliché de ride. Ok, donc je vais cliner. Ok, on va continuer. La question maintenant qui se pose, c'est comment on prépare les échantillons pour la croissance. Donc il faut faire deux types de nettoyage. On a un nettoyage chimique qui est composé de 5 minutes d'échantillons dans une solution d'acétone avec un bain ultrason et une 5 minutes dans une solution d'alcool. Donc ces deux étapes, elles servent pour lever toutes les contaminations d'origine hydrocarbure. Donc c'est ça le rôle de l'acétone et de l'alcool. Suivi ensuite de l'acide fluorhydrique, HF, dilué à 25%. Donc le rôle de l'acide, c'est d'éliminer le maximum possible la couche d'oxyde qui a été formée sur le germanium. Par exemple, si vous avez un germanium pur, lorsqu'il est déposé à l'air, donc on a la formation de GeO. Donc c'est ça le rôle de HF, c'est d'éliminer ce oxyde de germanium, l'oxyde de germanium. La deuxième étape, c'est le nettoyage thermique. Donc il est réalisé par chauffage du substrat à des températures entre 300 et 450 C, suivi de flash thermique. Donc c'est à l'intérieur de la chambre MBE qu'on fait le nettoyage thermique. Donc ici par exemple on a le substrat, on le chauffe à 450 ou bien 300 degrés C et on augmente rapidement, donc le flash thermique c'est-à-dire d'augmenter rapidement la température à 600 et diminuer. Donc cette étape elle nous permet d'enlever ou bien la désorption des contaminations restantes ainsi que l'oxyde. Donc on est sûr que on n'est pas très sûr, mais presque sûr qu'on n'a pas l'oxygène ou bien le GeO à la surface. Donc cette étape, elle permet d'éliminer l'oxyde, tout l'oxyde germanium. On peut faire une troisième étape, c'est pour s'assurer qu'on a seulement le germanium, on va déposer une couche tampon. Donc si, par exemple, si vous avez ici une couche d'oxyde GeO, on va déposer sur cet oxyde que le germanium, donc que le Ge, avec la charge ici du Ge. Donc ici, n'oublions pas qu'on a aussi une charge de Ge, donc on peut déposer le Ge sur l'oxyde de germanium. Et dans ce cas, on est sûr qu'on n'a pas d'oxyde de germanium. On continue. Ok, c'est fini. Oh. Oh. Ok, clean. Ok, maintenant on va parler de l'élaboration de Mn5Ge3 par la MBE. Oh, il n'y a pas de l'image ici. Donc il y a deux types d'élaboration de Mn5Ge3. La première méthode, c'est le dépôt par épitaxie en phase solide. Ici, il y avait une image, donc elle a disparu. Donc je vais essayer de dessiner. Donc ici, on a le germanium propre. Surface du germanium propre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer sur le germanium une couche de Mn, de manganèse. Mn. Ok. Et ensuite, on va faire un recuit thermique à 450 degrés. Donc, on va chauffer le germanium à 450 rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On a la diffusion de Mn
des atomes de Mn dans Ge et de Ge de Mn. Donc, et on a la formation. Donc, on va activer l'interdiffusion de Mn dans Ge. Et on a la formation de notre phase désirée qui est Mn5, Ge3. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, et on va voir les avantages, le problème avec cette technique, c'est-à-dire l'épitaxie en phase solide, c'est qu'on n'a pas une interface qui est abrupte. Donc, ici, on a un problème à l'interface. Donc, on n'a pas une couche très fine à l'interface. Donc, c'est ça le problème de cette première technique. Car on sait pas très bien contrôler l'interdiffusion de Mn dans Ge. Donc, c'est ça le grand problème. C'est la difficulté de comprendre comment ça se passe l'interdiffusion de Mn dans Ge et la formation de Mn5Ge3. En plus, on a la formation d'autres phases qui sont stables, autres que le Mn5Ge3. La deuxième technique, c'est le codépôt par épitaxie réactive. Donc, dans ce type de technique, nous avons notre substrat du germanium Ge1A1. On va déposer en même temps le Ge et le Mn. Donc, cette technique, on doit contrôler, par exemple, on a Mn5, Ge3. Donc, par exemple, pour 5 atomes de Mn, on va lancer 3 atomes de Ge et on a la formation de Mn5Ge3. Ici, on ajoute le carbone. On peut ajouter le carbone. Mais si on veut seulement le Mn5Ge3, on dépose seulement le Mn et le Ge avec un contrôle de flux qui est très bien précis. On a la formation directe de Mn5Ge3. Donc, d'ailleurs, c'est avec cette technique qu'on a travaillé. L'avantage de cette technique, c'est qu'on a une interface qui est abrupte. Donc, on a une interface qui est abrupte, ce qui est bien pour l'injection du courant polarisé. Mais il faut très bien contrôler le flux des éléments Mn et Ge. Ok, on va continuer. Ah, voilà le schéma. Okay. Maintenant, on passe à c'est quoi la caractérisation par le ride. Donc, le ride, c'est un faisceau d'électrons à 30 kV et sous incidence rasante. Ici, vous voyez, donc ici, ça c'est le ride qu'on a vu de la première image. Donc, ici, on a notre échantillon. Vous voyez que le faisceau d'électrons, il est sous incidence rasante, donc entre 1 et 3 degrés, donc c'est très rasant, et avec une grande énergie, 30 kV. Donc à l'interface, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc on a la diffraction, le phénomène de diffraction des premiers plans atomiques. Donc c'est ça l'objectif de travailler sous incidence rasante, c'est de sonder que les premiers plans atomiques. Donc, on a les clichés de diffraction. Ici, on a le cliché de diffraction seulement des deux ou bien trois premiers plans atomiques. Donc, l'information qu'on peut tirer avec cette technique, qui est in situ, c'est-à-dire dans la chambre MBE, donc on suit la formation en temps réel. Donc, on peut avoir une idée sur la qualité de croissance, comment on croit notre couche nano. Est-ce qu'on a une très bonne qualité cristalline? On a une idée sur la vitesse de dépôt, c'est-à-dire est-ce qu'on a un dépôt couche par couche, ou bien deux couches par deux couches. Donc on aura une idée même sur la vitesse du dépôt. Et on peut tirer aussi le mode de croissance si on a de 2 ou bien 3D. C'est-à-dire ici par exemple vous avez les germaniums. On a plusieurs types de croissance. Soit on va lancer atome par atome. Donc on a la création d'un plan atomique. Et lorsqu'on termine de ce plan atomique, on passe à un autre plan atomique. Donc ça, c'est un type de croissance. Le deuxième type de croissance, c'est 3D, c'est par îlot. C'est-à-dire, on forme une île, ici une île, ici une île. Et vers la fin, ces îles, elles se collent et on a un plan.
Donc, on peut avoir une idée sur le type de croissance, ou bien le mode de croissance. On va voir dans l'exemple. Clean screen. Ok, donc ici, c'est le cliché read de notre matériau Mn5Ge3. Donc ici, ça c'est le germanium, c'est le cliché caractéristique du germanium. On a trois clichés principaux, comme vous voyez ici, moins 1. Ici, c'est deux directions, donc ces deux images, c'est la première direction. Et la deuxième image, c'est la seconde direction. Donc, on a deux directions. Par exemple, on peut tourner. Par exemple, on sait que dans une maille, par exemple, si vous avez une maille, on peut voir lancer le faisceau d'électrons, soit dans cette direction, soit dans cette direction. On peut tourner l'échantillon. Donc, ici, c'est la direction, je pense, 1 moins 1, 1 moins 1. Ici, c'est 1 moins 1, 0. Donc, vous voyez ici les deux types de clichés. Caractéristiques du germanium. Ça, c'est le germanium. Ici, c'est le germanium de la deuxième direction. Et lorsqu'on dépose le buffer, donc on voit l'apparition d'autres clichés intermédiaires ou bien d'ordre 1,5. Donc, six clichés, on le voit. Parce qu'on a ce qu'on appelle un phénomène de reconstruction à l'interface. Donc à l'interface, on sait que je vais éviter l'écran. Donc à l'interface, on sait qu'on a des liaisons, ce qu'on appelle les liaisons pendantes, c'est-à-dire des liaisons qui ne sont pas satisfaites. Donc, par exemple, ici, on a une liaison qui n'est pas satisfaite. Dans l'autre atome, on a une liaison qui n'est pas satisfaite. Ici, on a une liaison qui... Donc, qu'est-ce qu'il va se passer pour diminuer l'énergie de surface? Ces liaisons, ils vont se satisfaire. Donc, on a déplacement de ces atomes pour satisfaire ces liaisons. Donc, on a la formation d'une nouvelle maille. Donc, c'est la maille à la surface. Donc, ici, on peut déduire que la maille à la surface, elle est différente de la maille dans le volume. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de reconstruction. Donc, ce phénomène de reconstruction, on peut le visualiser à partir de l'apparition de d'autres clichés de diffraction d'ordre 1,5, comme vous voyez ici. Ou même ici, on peut voir l'apparition d'autres clichés intermédiaires. Ok, maintenant ici on voit après la formation de Mn5Ge3, on voit qu'on a une maille très différente de celle qu'on a vue au départ. Donc on a l'apparition de d'autres clichés d'ordre 1 tiers et 2 tiers. Donc ces clichés, ce sont caractéristiques de la phase Mn5Ge3. Ok, donc c'est avec cette technique qu'on peut voir, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si on a, par exemple, dans l'autre slide, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a ici des couches qui sont des clichés qui sont très fins. Donc on a une très bonne qualité cristalline à l'interface. Donc, comme je viens de dire, si on a. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a des taches qui sont très lumineuses. Donc ici, on peut dire que à l'interface, on n'a pas une couche qui est assez fine, mais on a une sorte d'îlot comme ça à l'interface. Donc c'est pour cette raison qu'on a des taches qui sont très lumineuses et d'autres taches qui ne sont pas lumineuses. Mais dans cette figure, on a des clichés qui sont avec une luminosité qui est constante durant tout le trajet. Ça veut dire qu'on a presque une couche où la rugosité est égale à 0. Presque est égale à 0. Ici, la rugosité, elle est importante. Donc, la rugosité à l'interface, elle est importante. Donc, c'est ça la puissance de la technique de RIT. Ce qui nous permet, comme je viens de dire, d'avoir une idée sur le dépôt. Est-ce qu'on a
on dépose couche par couche, ou bien plusieurs couches. Deuxième information, est-ce qu'on a une rugosité à l'interface qui est importante, plus ou moins importante? Et la quatrième étape, on peut déduire la phase, ou bien on peut identifier l'élément cherché. On passe maintenant à la quatrième étape, c'est la nanofabrication des diodes Schottky. On va voir comment on fabrique les diodes. La première étape, c'est le dépôt de la résine. Ici, par exemple, on a notre échantillon. Par exemple, ici, c'est notre échantillon. On dépose une résine. On va voir le rôle de la résine. On fait une rotation avec une très grande vitesse, à 4000 tours par minute, pour étaler la résine sur toute la surface de l'échantillon. Donc ici, on a l'étalement total de la résine. Et on sait que l'épaisseur de la résine, il dépend de la rotation qu'on a faite. La deuxième étape, c'est l'insolation UV ou bien la lithographie UV. Donc ici, vous voyez notre échantillon après nettoyage de l'échantillon. Ici, nous avons le Mn5GO3. Ici, nous avons le substrat germanium. Donc, comme on a dit, on a déposé la résine ici. Après le dépôt de la résine, on utilise les rayonnements UV pour insoler. Par exemple, ici, on a un masque. C'est pour laisser passer seulement ce rayonnement ici et ici. Donc, la partie qui est touchée par les rayonnements UV, elle sera vaporisée. Donc, c'est ça le rôle de l'UV, c'est de vaporiser certaines parties ou bien développer, d'insoler que certaines parties, de laisser le Mn5GO3. C'est pas le M5, c'est laisser la résine dans d'autres parties. Ici, on n'a pas touché la résine dans cette partie, et même dans cette partie. Donc, on a touché seulement certaines parties. Donc, on développe la résine, c'est-à-dire on élimine les parties insolées par l'UV, donc ces parties-là, et on a cette forme-là. Donc, on peut voir ici par le microscope optique la forme de ces plots. Donc, ici, c'est les parties qui ne sont pas touchées par l'UV. Donc, c'est ces parties-là. Et ici, ces parties sont touchées par l'UV. Donc, on a éliminé ces parties. Et c'est le masque qui donne la forme. Donc, ces formes-là, c'est avec le masque qu'on peut avoir ces formes. Et vous voyez que la dimension, c'est entre 40 micromètres carrés, 40 fois 40 micromètres carrés, ou bien jusqu'à 200 micromètres carrés. Pardon. Ok. La quatrième étape, c'est la gravure. Ce qu'on appelle la gravure par Reactive Ionic Etching. Donc, c'est une gravure qui est physico-chimique. Donc, c'est quoi le rôle de la gravure? Par exemple, ici, on a la résine qu'on a déposée sur la surface. Donc, ici, c'est les parties qui ont été insolées par l'UV. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la gravure, c'est-à-dire on va créer un gaz de plasma. Un gaz de plasma. Et on va attaquer. On sait qu'un plasma, ce sont des ions. On va créer un champ électrique. Donc, ce gaz, il va attaquer ces parties, seulement ces parties. Donc, il y aura une réaction qui est physique parce qu'on a un choc entre les ions et le Mn5GO3 qui est ici. Et on a aussi une réaction chimique qui va se passer avec les éléments du Mn5GO3. Donc, ici, comme vous voyez, dans la sixième étape, ici, on a enlevé toute la résine parce qu'on n'a rien à voir à faire avec la résine. Donc, on l'a enlevé toute la résine qui était ici et ici. Et comme vous voyez, on a gravé
ces parties-là qui ont été ici. Donc c'est on a gravé le main 5 jeu 3. Donc c'est ça le rôle de la gravure, c'est d'éliminer le main 5 jeu 3 dans certaines parties, c'est pas dans tout la surface, mais seulement de certaines parties pour fabriquer des diodes Schottky. Donc c'est ça la forme finale. Donc on a le main 5 jeu 3 déposé sur le germanium et on peut ajouter une couche d'or pour augmenter le contact arrière sur le germanium. Donc ici on a un métal. Donc pour les mesures électriques, on sait que le semi-conducteur elle résiste au passage du courant. Donc si on ajoute une couche d'or, ça sera encore mieux d'augmenter le passage du courant pour les mesures électriques. Le profilométrie, ou bien la profilométrie, ça sert à visualiser. Donc c'est quoi un profilomètre? C'est juste une pointe qui va se déposer sur la surface. Par exemple, si la pointe, ici on a la pointe, il va descendre jusqu'au bas et ensuite il va remonter. Donc on a ce type de profil. Donc ici c'est juste ces plots-là qu'on a fait avec la gravure. Donc c'est le profil. Et on peut mieux mesurer, par exemple, entre ici et ici, combien on a gravé. Est-ce qu'on a gravé dans le germanium? Ou bien on a touché seulement le Mn5Je3. Donc c'est la profilométrie qui va nous dire cette information. On passe à autre chose. Donc maintenant on a fait les diodes Schottky. Donc on a le Mn5. On va passer aux mesures électriques. On a fait deux types d'échantillons. On a fait un Mn5Je3 sans carbone et avec 0,3 carbone. Ici, on a une mesure électrique, donc on fait passer un courant électrique. Et on va voir comment il va se comporter, ce courant électrique, dans la diode Schottky. On trouve ce type de caractéristique, une caractéristique d'une diode Schottky. Donc, on ne peut rien dire ici. Donc c'est la caractéristique normale d'une diode Schottky. Mais ce qu'on va faire, c'est d'extraire les paramètres les paramètres, la hauteur de la barre Schottky. Donc c'est ça, c'était l'objectif. Si vous vous rappelez, on a dit que l'objectif, c'est d'extraire les paramètres de la diode, qui est essentiellement la hauteur de la barre Schottky. Pour faire ça, on va faire... On va passer à d'autres méthodes. Donc, on sait que la relation entre le courant électrique I et le V, elle est complexe. Elle est de cette forme-là. Et le ES, c'est le courant de saturation. Et dans le IS, on a la hauteur de la barrière Schottky. Donc, il faut sûrement passer par une méthode numérique pour remonter à la barrière Schottky. Donc, la méthode qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle la méthode de Werner. On va voir, je vais éliminer le clean. Ok. Donc, c'est quoi la méthode de Werner? C'est tout simplement, on suppose qu'on a cette condition-là, c'est-à-dire que le VD qui est défini par V-RSI est très supérieur à MKBT sur K. Si on a cette condition, on peut simplifier cette relation. Donc cette relation sera simplifiée. Et si on fait la dérivée de I sur V et on divise par I, on doit trouver une relation linéaire en fonction de dI sur dV. Et RS, et ça c'est... N c'est le facteur d'idéalité, c'est un paramètre de la diode, et RS c'est la résistance. Donc en traçant le dI sur dV sur I, en fonction de dI sur dV, on va remonter à RS et on va remonter au facteur d'idéalité. Donc c'est ça l'objectif de cette méthode. Okay. Donc en traçant dI sur dV avec le programme MATLAB sur I en fonction... Ah, ici, qu'est-ce que j'ai fait?
Normalement ici c'est pas le voltage, normalement ici c'est DI sur DV. Donc on trouve cette figure, donc ça en jaune, mais on va faire une linéarisation de ce courbon bleu seulement dans ce domaine-là. Et on va remonter à la résistance et au facteur d'idéalité, N. En faisant ça, la méthode Werner nous dit ensuite, après avoir extrait RS, on peut tracer DI sur DV sur I en fonction de VD. Avec le VD, c'est, je ne sais pas si, oui, si je le définis, c'est V moins RSI. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais V et I, on les trouve à partir de mesures expérimentales. Donc, c'est ça le rôle des mesures expérimentales, c'est d'extraire V en fonction V et I. Donc, ici, on a trouvé le RS. On peut tracer, maintenant, on peut tracer DI sur DV sur I en fonction de VT, puisqu'on a le RS. Et la méthode de Werner, elle nous dit que l'intersection de cette droite avec le 0, ici c'est pas le 0, ici on a le 0, c'est quelque part ici, c'est l'intersection avec cette droite et le 0 de VD ne permet de remonter à la hauteur de la barrière Chomsky. Donc c'est ça essentiellement le rôle de cette méthode de Werner. Il y a plusieurs méthodes, il y a presque 13 méthodes, et chaque méthode a ses inconvénients et ses avantages. Et l'erreur, bien sûr, qui va jouer le rôle. Donc ici, on a trouvé une hauteur de barrière Chomsky qui est de l'ordre de 0,5 électrovolts pour l'échantillon numéro 1 et 0,48 électrovolts pour l'échantillon numéro 2. Donc on voit ici que l'effet de carbone est presque négligeable sur la hauteur de la barrière Chomsky. Donc il n'y a pas d'effet de carbone sur la hauteur de la barrière Chomsky, ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'on peut insérer le carbone dans la maille de Mn5GO3 sans affecter la hauteur de la barrière. On sait que le rôle du carbone, c'est essentiellement d'augmenter la température du cuivre. Pourquoi? Parce que physiquement, si on insère, pardon, si on insère l'élément de carbone dans la matrice de Mn5GO3, il va augmenter l'échange entre le Mn, les atomes de Mn. Et si on augmente l'échange indirect entre les atomes de Mn, on va augmenter l'ordre magnétique. Donc, il va falloir une énergie thermique importante pour casser cet ordre magnétique, donc ce qui va augmenter la température du cuivre. Donc, ça, c'est les résultats qu'on a trouvés. Merde. On a fait ensuite un traitement chimique à la surface avec le sulfure, les atomes de sulfure ou bien le NH4-2S. Pourquoi? On a vu dans un article que les atomes de NH4-2S, elles passivent les états de surface. Donc ici, à la surface, comme je viens de le dire, on a des liaisons pendantes. Les liaisons pendantes, c'est-à-dire tout simplement des liaisons qui n'étaient pas qu'elle n'était pas encore satisfaite. Donc ici, ça c'est pas une liaison pendante parce qu'on a les trois liaisons de l'atome, mais ici on a seulement deux liaisons. On n'a pas d'atome ici, donc c'est ça la surface. On a une brisure de symétrie. Donc le rôle des atomes de surface, c'est comment dire, c'est de satisfaire ces liaisons pendantes. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pas parlé de ce qu'on appelle l'ancrage du niveau de Fermi, parce que les états de surface, elles ancrent le niveau de Fermi. Je pense c'est le Fermi Level Pinning. Donc par exemple, si on a un métal ferromagnétique, ici on a notre semi-conducteur, on trace les branches, les bandes du semi-conducteur. Si on a par exemple les états de surface, il va y avoir un transfert de charge entre les états de surface. Ici, on a des états de surface. Les états de surface, le problème, c'est qu'ils sont. On peut avoir des états de surface qui sont situés à l'intérieur de la bande interdite. Donc, au lieu
de transférer les électrons dans le semi-conducteur ou bien de la bande de conduction du semi-conducteur, ils sont transférés dans ces états de surface. Donc, ils vont bloquer en quelque sorte le niveau de Fermi. Donc, on va faire ce traitement chimique pour limiter ce blocage, donc pour limiter l'apparition de ces états de surface. Donc, les résultats qu'on a trouvés, on va faire, premièrement, on va voir s'il y a un effet sur la rugosité. Est-ce que les atomes de sulfure ils vont augmenter la rugosité à la surface? On voit ici si on règle très bien les paramètres, on peut changer la RMS, la rugosité, à partir d'un nanomètre jusqu'à 408 picomètres, c'est-à-dire une rugosité qui est assez faible, très faible. Donc, en travaillant avec une concentration de 15% durant 20 minutes et avec une température de 90%, on peut avoir une rugosité la plus faible possible. Et ici, vous voyez les images avec l'AFM de la rugosité. Donc ici, la rugosité change entre 0 jusqu'à 15 nanomètres. Et comment dire, le contraste, on voit qu'il est situé dans cette zone-là. Donc c'est-à-dire une rugosité qui est moins d'un nanomètre, donc qui est très faible bien sûr. Oh non. On continue. Ok. Donc comme conclusion, on a vu que l'ensemble des méthodes de caractérisation elles permettent de contrôler les conditions nécessaires à la synthèse d'hétérostructures MN5J3. On a vu les deux types de méthodes de croissance. On a vu aussi que l'effet de carbone sur la hauteur de la barrière Chomsky, elle est négligeable. Donc on peut insérer le carbone sans aucun problème. Et on a dit que le fait d'insérer le carbone dans la matrice de MN5J3 permet d'augmenter l'échange magnétique entre les atomes de MN. Et donc, il va permettre d'augmenter la température de Curie, qui est un paramètre essentiel pour la conception de dispositifs pour la spintronique. On a vu aussi que le traitement chimique par le NH4-2S, elle permet de diminuer la rugosité et de passiver les états de surface. Et merci. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais essayer de répondre. Si vous avez des termes, je ne sais pas si j'ai utilisé des termes que vous l'avez rencontré pour la première fois. Donc, je peux clarifier les choses. Donc, si vous avez des questions, c'est quoi je sais très bien que je n'ai pas expliqué la notion d'hétérojonction. C'est quoi une hétérojonction? Qu'est-ce que se passe dans une hétérojonction entre un métal ferromagnétique et un semi-conducteur? C'est quoi l'ancrage des niveaux de Fermi? Et c'est quoi les états de surface? Donc, je peux vous répondre si vous avez des questions à propos de ça. Donc, j'attends vos questions. Et merci de votre attention.